Bonjour. Nous, les femmes amatrices de torse nu, de biceps d'acier et de corps huileux, nous allons baver devant Conan le barbare. Vous vous souvenez d'Arnold Schwarzenegger dans Conan le barbare et Conan le destructeur? Eh bien là, Schwarzy a laissé sa place aux jeunes... Il ne peut en rester qu'un. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je crois que tu passais un casting. Bah oui, mais justement, je me prépare pour remplacer Schwarzy dans Conan le barbare. Alors je travaille un petit peu ma voix. Pour parler comme Schwarzenegger, le gouvernateur. Ah oui, c'était ça la voix bizarre. Eh, c'est bien fait, hein? Ouais, bah, en fait, l'acteur, il a déjà été choisi, c'est Jason Momoa. Donc il a en fait beaucoup plus de cheveux, de bons biceps, de bons biscottos, tu vois. Et surtout pas de poils sur le torse. Ah mais non, mais en fait, je veux changer les codes du genre, parce qu'il y en a un peu marre des gladiateurs virils, épilés intégralement, qui s'enduisent le corps d'huile. Moi, je suis plutôt à la Sean Connery dans James Bond, dans les années 60. Le torse velu, non épilé. Bond. James Bond. Mais non, mais en fait, là, t'as un petit peu le style bûcheron, tu vois. Puis c'est quoi cette épée pourrie, là? Mais... Non, mais puis, il ne peut en rester qu'un. Eh ben... C'est Highlander, c'est pas Conan le barbare. Ah, mais c'est ça qui va pas, mais t'as raison. Toi, je me disais aussi... Bon, bah alors, je travaille les bonnes répliques et... I'll be back. Je reviendrai. Ouais. Travaille surtout les... Enfin, le... Quoi? Hein? Tu comprends? Le ventre? Ouais. Ah, oh, bon, ok. Connaissez-vous le professeur X, Magneto ou Wolverine? Les X-Men. Alors après le X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, nous avons le X-Men... Le X-Men 0, évidemment. Le X-Men Le Commencement, qui a été réalisé par Matthew Vaughn. Alors les scénaristes ont dû dire, tiens, il faudrait qu'on tourne une suite, un numéro 4. Seulement, on n'a pas vraiment d'idée, donc on va prendre... Le début du 1, on va en faire un long métrage, on va appeler ça Le Commencement. Voilà. On va se demander quand même ce que ça va donner. Mais bon, on verra. Allez, je vous laisse, j'ai d'autres merdes à aller regarder. Salut.